Allez, allez, désencouragement, allez. Allez, 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 allez. C'est accumulé dans mes avant-bras. Alors c'est difficile d'avoir la prise. Manque d'entraînement. Voilà. C'est dû à manque d'entraînement. Parce que si on ne s'entraîne pas, il y a un risque par exemple. Quand cette chute, c'est un risque dangereux. Hein? Ça peut être une chute fatale, ça peut être une chute mortelle. Heureusement que mon assureur a bien agi dans les deux chutes. Et vigilant, et vigilant. Et oui, c'est ça, hein? Bien sûr. C'est la complémentarité. Ouais. Lui, c'est le leader. Vous avez occupé la cheville? Non. C'est une, c'était une question d'habitude. On a eu l'habitude. Et puis la confiance. Il faut être confiant de soi-même. Il faut être sûr de ce que tu fais. Voilà. La confiance en matériel et en assureur. Il faut jamais avoir peur. En escalade, il ne faut jamais avoir peur. D'ailleurs, la peur, c'est de manipuler bien le matériel. Une erreur de rien du tout, c'est la mort. C'est avec le travail, c'est avec le moral. Ainsi que l'équipe avec qui quand je travaille avec lui, il se fait à 100%. Mais si c'était un autre, ça peut. Hein, c'est une question de confiance. Oui, c'est une question de confiance avec le. Et d'application. Voilà. Aussi. Beaucoup d'application. Il y a même le code. Le code, quand on travaille le code d'aval du mot, lui, normalement, il doit être conscient de ce qu'il fait en bas. Parce que c'est l'assurance, c'est le premier point, c'est l'assurance. Aval, c'est là, c'est la corde. Aval, c'est tire absorber la corde. Tu tires la corde, du mot, il te donne de la corde. Du lest, attention. D'ailleurs, j'aurais dû lui appeler attention. Essaye.